qu'il faut. Il faut la paix de Dieu. Déposer les armes. Voilà. Déposer les armes. Oui, mais de toute façon, on avait déjà que nos gens déposent les armes. Non, non, c'est pas compliqué. Dites-le, mais dites aux gens, monsieur, je vous demande d'arrêter la guerre, d'arrêter non, les armes. C'est tout important. Non, faut pas, ne passez pas à côté. Je ne passe pas à côté. Je dis, nous avons déjà conclu d'arrêter. Avec qui? Les tirs. Avec qui? Nous-mêmes. On répète. Et c'est pourquoi. On répète. J'ai répété cela ce matin, vous savez ça? J'ai répété ce matin, vous savez ça? Ça fait 4 personnes. Mourou. On a tué quelqu'un chez vous? Mourou. On va entrer chez vous, on va tuer quelqu'un là-bas. On va partir quelqu'un. Bon, voilà, il va parler. Vas-y. C'est bon, les gars, on lui laisse. Monsieur, je te donne son temps ici. Nous avions arrêté ce matin à l'aurore d'arrêter les combats. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai permis à Tagro de sortir avec un mouchoir blanc. C'est moi qui lui ai permis. Et il est sorti. Je crois que malheureusement il ne s'est pas bien fait comprendre, mais bon, il n'a rien eu. Et donc, ça c'est arrêté, c'est conclu. Donc je souhaite qu'on arrête les armes, qu'on rentre dans la partie civile de la crise et qu'on la conclue rapidement pour que le pays reprenne. Alors conclure, ça veut dire, vous voulez dire quoi par là, on l'a conclu. C'est fini. Mais c'est fini. Il faut dire c'est ça. Allez-y, tout le monde n'a qu'à arrêter. Oui, voilà. Vous avez la vie, la vôtre, on l'a arrêté. C'est ce qu'on met dans le ministère. Il y a eu des élections, qui a gagné? Non, non, c'est pas ça que... Non, mais c'est ça le problème, c'est ça qui nous a dit ça. Oui, oui, mais c'est pas ça qu'on... Monsieur le président. Non, attendez, non. Il faut... Excusez-moi. Ok. Donc, appelle aux jeunes. J'ai dit de baisser les armes. J'ai dit de baisser les armes. Et c'est pourquoi j'ai autorisé Tagro à sortir avec un mouton. Vous avez dévasé les ministres partout. Mais où vous êtes, vous trouvez actuellement où aujourd'hui? Allez, ainsi. Au golf. Mais quel message aux miliciens ou aux mercenaires que vous avez engagés? Quel mot vous pouvez leur donner maintenant? Moi, c'est à l'armée que j'ai lancé l'appel. À l'armée de Côte d'Ivoire. Quel est le message que vous lancez à l'armée? Oui, je leur ai dit de cesser les combats. Bon, et les ministères et les mercenaires que vous avez engagés? Non, ça, je n'ai pas engagé des ministères et des mercenaires. Je n'ai pas engagé des ministères et des mercenaires. Mais vous savez, ce conflit-là, il est à plusieurs composantes que ni vous, ni moi ne connaissons totalement. Mais j'ai demandé à mes soldats de cesser les armes et de cesser les combats. Le commandant Wata vous a envoyé des chemises. Oui, mais ça c'est un peu moi. Une chemise, une serviette là. Monsieur Belgo, s'il vous plaît, pouvez regarder par ici. Monsieur Belgo, s'il vous plaît, pouvez-vous regarder par ici. L'objectif. Vous mettez la position, quand tu prends une balle pour gagner. Ouais, vas-y. Merci, monsieur. Wow, classe. Je suis à. Ça va aller. On est combien de Yen? 4. C'est qui? La femme, ce que vous avez. La femme à qui? La femme à qui? Simon? Simon, il faut Simon Personne n'arrête. Là, c'est le vrai qui va faire du temps de haut.
Madame la présidente. Non mais non, personne n'est rentré. Attendez, coupez. Voilà. Quel mot allez-vous vous dire par rapport au ministère et aux mercenaires qui sont dans la ville pour qu'on arrête les tirs? Plus fort, plus fort. Allez, plus fort. Pourquoi? Dites un mot pour libérer le pays. Un mot pour libérer le pays. Qu'ils arrêtent les tirs. Ils déposent les armes. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Tout le monde. Les militaires surtout. Les militaires. Et vous, monsieur l'ex-président. Bon, pour la télévision, l'été, c'est la demande de la paix. La télévision de la paix. Oui, c'est la même télévision, c'est la même télévision. Mais non, comme vous étiez, on vous arrivait. La télévision de la paix, pourquoi le pays va faire on va le combat ont cessé. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Tangoro de sortir avec un mouchoir blanc. Il est sorti avec un mouchoir blanc, maintenant sont venus. C'est fini. Voilà. Bon, allez, c'est bon. Donc, c'est bon, allez, tout le monde. C'est bon. Monsieur le ministre, j'ai eu le couloir. Là, c'est bon. C'est qui? Paul, le gars. Madame, vas-y. On personne ne rentre, pas de gens ils s'emportent. Vous vous êtes qui? Le médecin de la Allons, passez ça là. Mais sortez après, vous sortez, s'il vous plaît. Mais attends. Mais attends.